Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Vous voyez, je devrais être à cet instant précis au bord de la mer, sur la plage, en train de siroter ma petite Volvic fraise bien fraîche que j'aurais tout juste sortie de la glacière. Mais le devoir m'appelait. Et aujourd'hui, pour vous, et rien que pour vous, on va tester le Heatway BK6S. Mais avant cela, bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. D'ailleurs, je remercie grandement tous ceux qui l'ont fait récemment. Et si vous avez des questions sur le vélo, ça se passe dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'hab, la vidéo va se dérouler en deux parties. Première partie, je vous parle des specs du vélo. On fait le tour bien comme il faut. Deuxième partie, on ira faire un ride avec. Alors, déjà niveau design, notre Heatway. Bon, j'ai comme une impression de déjà vu, comme une impression de déjà testé. C'est typiquement le genre de vélo qu'on retrouve sur tous les bords de mer. Donc voilà, tout le monde se balade avec ce type de vélo. Il n'y a rien de mirobolant, c'est du grand classique, c'est efficace, on connaît. Après, il est super joli hein, quand même, avec ses petites courbures et tout. Couleur verte foncé, un petit peu bleu gris vert, et un petit peu de toutes les couleurs. On part sur un cadre en alliage d'aluminium. Suspension avant, pas de suspension arrière. En revanche, on a une suspension de selle. Et la suspension de selle, que je vous la montre, marche relativement bien. Puisque regardez, dès que je m'assois sur le vélo, on est vraiment... là, j'ai eu l'édition trampoline, les mecs. Hein. Alors, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais elle est très, très souple, la suspension de selle. Donc, carrément, tu as l'impression d'avoir une suspension arrière, tout simplement. Voilà, ça va venir effacer vraiment toutes les aspérités. Donc, que vous soyez dans les chemins ou quoi, c'est vraiment très souple, c'est très cool. Vous le voyez, on est sur des pneus type fat bike. Alors, pas totalement, on est sur un entre-deux, puisque là, on est sur du 3 pouces de large, 20 pouces de circonférence. Fat bike, on va plutôt viser le 4 pouces de large. Donc, plus grand que du pneu classique, moins grand que du fat bike. C'est de l'entre-deux, c'est parfait pour rouler dans les chemins. Sur la plage marée basse, hein, bien sûr. Bon, en même temps, même avec un gros fat bike, les mecs, vous roulez pas sur la plage dans le gros sable épais. Hein. Ou alors, tu fais 10 bornes, t'as plus de batterie. Hein. Que ce soit pour les chemins, pour faire de la ville, pour faire du bord de plage, pour... voilà, pour se balader partout, tout simplement. Voilà, ça va être un vélo qui est passe-partout. On est sur un dérailleur tourné 7 vitesses. Donc très classique, hein, vous avez le levier de vitesse juste ici. Vous montez les vitesses avec le levier, vous les descendez avec le bouton poussoir. 3 vitesses d'assistance électrique. Vous avez uniquement l'assistance à la pédale sur ce vélo, pas de poignée d'accélération. Il faut savoir que c'est un vélo qui est homologué chez nous. Hein. C'est vrai que la plupart du temps, beaucoup de vélos que je vous propose ne sont pas homologués chez nous de par déjà la puissance qui dépasse les 250 watts. Voilà, tout ce qui est au-dessus de 250 watts, c'est pas homologué chez nous. Après, j'ai envie de dire qu'en pratique... viens faire un tour ici à l'île d'Oléron, tu vas voir que tout le monde se balade avec des fat bikes, les trucs qui font 15 000, 20 000, 30 000 watts. Le tout, c'est vraiment de ne pas rouler comme un zinzin, les mecs. Voilà, il faut respecter chacun sur la route. T'arrives en ville, tu vas pas rouler à 50 km/h avec un vélo. Donc... bref, je m'égare un petit peu. Poids du vélo, 27,5 kg. Franchement, c'est correct. Hein. Voilà, ça se lève tranquille. Alors bien sûr, je vous dis pas que vous allez vous le traîner toute la journée comme ça à bout de bras. Mais voilà, si tu dois le mettre dans un coffre de bagnole ou quoi, sans problème. En plus, il se plie en 3, c'est-à-dire qu'il va se plier au niveau du cadre, au niveau du guidon. Ça passe sans problème dans un coffre de bagnole. Donc 27,5 kg pour le poids du vélo. Pour ce qui est du poids de charge, on est sur 120 kg. Vous le voyez, vous avez un petit porte-bagages à l'arrière. Donc, alors, c'est pas pour transporter des gros pétards, les mecs, hein, mais c'est pour, par exemple, si vous avez un enfant à porter, voilà, personne de petite taille ou quoi, qui est pas trop lourd. Ça va passer sur le porte-bagages. Vous avez un coussin et vous pouvez bien sûr l'enlever si vous voulez, par exemple, mettre des sacoches ou autre. Voilà, partir en voyage avec le vélo. Vous pouvez le faire. Feu à l'avant, feu à l'arrière. Des feux qui éclairent très bien et qui sont dépendants de la batterie. Donc ça, c'est cool. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas de recharge USB, pas de pile à mettre quelque part, un bouton allumé. Non, dès que vous allumez le vélo, si vous voulez allumer les phares, vous allez pouvoir allumer les deux. Vitesse max de 25 km/h. Alors, le compteur s'arrête à 25 km/h, les mecs. Hein. C'est-à-dire que même si vous êtes en descente, vous pouvez facilement atteindre les plus de 30 km/h en descente. Hein, et ben lui, il affiche toujours 25 km/h. Il va pas afficher plus. Tu vois, c'est histoire de dire non, moi, je suis 25. Donc moteur de 250 watts, sans prétention aucune, les mecs. Vous le savez quand même. J'ai un petit peu de bouteille dans les tests de vélo. Voilà, j'en ai testé pas mal. Je trouve le moteur extrêmement nerveux pour un 250 watts. C'est un vélo qui a la certification européenne et tout, machin, nana, ils ont fait l'effort, hein. Il n'y a pas d'accélérateur et tout. Ils ont tout fait pour qu'il soit homologué chez nous. Sur le site, c'est marqué 250 watts, machin, partout, hein, sur les papiers. Par contre, je le trouve très nerveux, les mecs. Je trouve le moteur très nerveux. Tu peines vraiment pas à prendre les côtes. Voilà, des 250 watts, j'en ai testé, les mecs. Hein. Et j'ai testé aussi des 350 watts. Celui-là,
il me paraît plus être à 350 watts. Après, vous le savez, voilà, des fois pour avoir les certifications européennes, machin, nana, voilà, ils mettent 250 watts, mais ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup. Hein. La dernière fois que j'ai testé à 250 watts, les mecs, c'était le Duotes C29. Le truc, en fait, il faisait 750 watts et il roulait à 50, tu vois. Alors que partout, c'était marqué 25 km/h, 250 watts. Et ce serait pas la première fois que je tombe sur ça. Donc voilà. Après, je veux pas m'affirmer ou quoi que ce soit. Hein. Donc possible, hein, 250 watts, mais je trouve le moteur très nerveux pour 250 watts. D'ailleurs, il est bon pour monter des pentes jusqu'à 25 degrés sans problème. Sans problème, franchement, là, j'ai pris même une côte tout à l'heure, elle était presque à 90 degrés, il est monté, voilà. Donc, c'est pour vous dire, non, franchement, voilà, il monte partout ce petit vélo. Et donc, si je vous dis ça, les mecs, c'est parce que j'ai déjà testé ce style de vélo en 250 watts et vraiment, il n'était pas... Il n'avait pas cette pêche, voilà. Donc, ça me paraît bizarre. Après, peut-être que je suis tombé sur l'édition Boost. Hein. J'ai peut-être eu de la chance. Hein. C'est comme la selle, peut-être que je suis tombé sur l'édition Trampoline. Allez savoir. Au niveau de la batterie, on est sur une lithium 36 volts, 12 ampères. Alors, 12 ampères, dit comme ça, ça peut paraître un petit peu léger. Voilà, quoique, voilà, moi, je regarde sur mon Enjoy EP2 Pro, celui que j'utilise personnellement, je suis à 13 ampères, je crois. Et ça me suffit largement pour partir en balade ou quoi. Au niveau de l'autonomie, alors, ils ont pas pris de risque. Hein. Là, ils m'ont donné une fourchette. C'est même plus une fourchette, c'est une louche, les mecs. Hein. Entre 35 et 90 km. Ils ont pris aucun risque, les mecs. Hein. Alors là, allez, on va dire que le moteur fait 250 watts. Si tu fais 35 km avec, c'est vraiment que t'as rien foutu sur le vélo. Hein. T'as fait semblant de pédaler, t'as fait le geste. Tu peux, hein, totalement. Voilà. Et t'as pris beaucoup de montée ou quoi, machin, nana. Et si tu fais 90 km, tu vas revenir sur les rotules. Tu vois, donc c'est soit tout, soit rien. Moi, je dirais qu'un entre-deux, avec ça, tu peux facilement faire 60 km. Voilà, sans trop peiner. C'est-à-dire en aidant le vélo quand même, hein, un petit peu, hein, il faut bien l'aider aussi. Et voilà, sans trop galérer. Un petit peu des deux, tu vois, en te laissant guider par l'assistance et en aidant le vélo. 60 bornes. Là, ils t'ont donné une fourchette, les mecs, laisse tomber. Étanchéité IP54. Donc voilà, toujours, hein, moi c'est vrai que ça, j'ai pas trop confiance aux indices d'étanchéité, hein. Je fais toujours attention, j'évite de faire du vélo sous la pluie, de toute façon, d'une, c'est pas agréable, et de deux, voilà, comme je vous dis, la confiance règne pas trop au niveau des indices étanchéité. Petit point sur l'unboxing, le vélo est arrivé nickel, hein, même si bon, là d'ici, je sais pas si vous le voyez, mais... Il y a un espèce... Alors, on pourrait croire que c'est un nion sur le garde-boue arrière, mais pas du tout. Hein. C'est juste un renfoncement pour laisser passer la chaîne, pour éviter qu'elle tape dessus, tout simplement. Voilà, ça se voit que c'est prévu pour. On est sur un temps de charge entre 5 et 6 heures. C'est correct. Le vélo convient pour des gens mesurant entre 1m65 et 1m95. On a un bel écran LCD bien lisible en plein soleil. Alors, il est en noir et blanc, hein, tout basique. Mais je préfère ça plutôt qu'un écran bien coloré, bien chatoyant, tout, mais dès qu'il y a un peu de soleil, pec, tu vois plus rien. Là, vraiment, même si tu es en plein cagnard, il n'y a pas de souci, tu vois tout ce qui se passe sur l'écran. Vous avez toutes les informations qu'il faut, où il faut, vous avez votre vitesse, vous avez la vitesse en assistance, donc vous en avez trois, vous avez votre niveau de batterie, et vous avez les kilomètres que vous avez fait en tout avec le vélo. Voilà, tout simplement, le kilomètre que vous avez fait durant votre voyage, le voltage de la batterie, plein de petites informations assez basiques, mais tout ce qu'il faut, là où il faut. Vous avez une petite sonnette. Voilà, petite sonnette mécanique. Je vais vous la pousser avec l'index. Au niveau des freins, c'est à disque, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Comme d'hab, en tout cas, comme bien souvent, à l'avant, il est un petit peu plus détendu qu'à l'arrière. C'est normal. Disons que si tu t'en vas freiner de l'avant à 25 km/h et que tu mets un coup un peu trop fort, il y a moyen que tu fasses un soleil. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'ils détendent un petit peu les freins à l'avant. Après, libre à vous de le resserrer ou pas. Moi, je trouve que le vélo freine très bien comme ça. Il est parfait. Petite subtilité quand même, c'est que vous allez pouvoir enlever la batterie sans enlever la selle. Vous avez un petit clic, tac, vous tournez la clé, vous enlevez la batterie et vous allez la recharger à la maison. Pour la remettre, extrêmement simple, clac, vous faites un tour de clé, vous remettez la selle et c'est parti. Eh bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce vélo, de ce Hitway BK6S. On va partir en ride avec et on va voir ce que ça vaut en conditions réelles. C'est parti. Bon, on est parti pour un petit ride. Je vais me mettre en vitesse 1 tranquille. Et regardez les mecs, quand je vous disais que le moteur, il était nerveux. Alors là, je vous fais un petit test en conditions réelles. C'est-à-dire qu'en vitesse 1, on est à 15 km/h. Vitesse 2, ça va vous emmener à peu près à 20 km/h. Et ah ok, d'accord, ok, attendez, je fais un petit test. Ah ouais, d'accord, ok.
Tu vois, en fait, je viens de me rendre compte, bah, tout à l'heure, je vous l'ai dit en première partie de vidéo, le compteur, en fait, il est bloqué. C'est pas la vitesse du vélo qui est bloquée, hein, c'est le compteur. C'est-à-dire qu'en vitesse 1, le compteur, il va pas aller plus haut que 15 km/h, pas plus haut. Il va aller plus bas, bien sûr. Mais même si là, je pédale pour aller plus vite que 15, lui, il bouge pas. Il est à 15 km/h. La vitesse 2, le compteur, il va se bloquer à 20 km/h. Donc, pas la vitesse du vélo, encore une fois, c'est le compteur. Hein. Et la vitesse 3, vous l'avez compris, ça va aller jusqu'à 25. Moi, je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, je le trouve très nerveux ce vélo pour un 250 watts. Voilà, encore une fois, je n'affirme rien. J'affirme rien du tout, hein. Mais je le trouve très nerveux. Là, si je mets la vitesse 3 tout de suite, frérot, je m'envole pas, quand même pas, pas à ce point-là. Je veux dire, j'ai testé du gros calibre, ça devrait aller, mais il est très nerveux pour un 250 watts. Voilà, il est très nerveux, franchement. Au niveau du confort, les mecs, le vélo est très confortable. Alors bien sûr, tout cela, c'est dû déjà aux pneus de 3 pouces de large, mais également à la suspension de selle. Alors au niveau de la pression des pneus, je me suis mis à 2 barres à l'avant et 2 barres à l'arrière. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre. D'habitude, c'est vrai que je sous-gonfle un petit peu l'arrière sur les fat bikes, histoire de compenser ce manque de suspension. Mais là, honnêtement, le manque de suspension à l'arrière, il est terriblement compensé par la suspension sur la selle. Là, regardez les mecs, je rebondis, je rebondis. Elle est tellement souple, la suspension de selle. Franchement, elle est très agréable et elle fait super bien le taf. Alors là, ce que je vous propose, bon déjà, on est dans une petite session chemin de terre. Voilà, c'est mes sessions préférées de toute façon. Quand je fais du vélo, moi, j'adore me balader dans ces chemins ou quoi, me perdre. Des fois, je fais 40 km, même plus. Hein. Des fois, je fais 50 bornes juste dans des chemins comme ça, que dans des chemins. Je vais me perdre genre partout. Même depuis le temps que je viens faire du vélo ici, c'est limite si à chaque fois, je découvre pas des nouveaux chemins. Ce vélo, il est parfait pour le chemin, là comme à l'heure actuelle. Il est parfait pour faire de la balade en bord de mer. Tu te mets en vitesse 1, tranquille, vitesse 2, même vitesse 3, hein. Soyons fous. Hein, c'est histoire de faire une petite balade avec mes mères tranquillement le long des plages, partout. Tu peux même faire de la ville ou quoi. Voilà, c'est des vélos qui sont passe-partout. C'est des vélos polyvalents. Là, ce qu'on va faire, on va aller se prendre la montée de la mort. Celle que je prends d'habitude avec les vélos. Je ne l'ai pas encore prise aujourd'hui. On va aller se la prendre. Alors là, vous voyez, je reviens sur de la route. Et nickel les mecs. Hein. Bon là, je suis dans une petite montée. Hein. C'est une toute petite montée. Voilà. Je suis en vitesse 1. Et mon compteur est bloqué à 15 km/h. Voilà, il est bloqué à 15 km/h. Si je ralentis, voilà, le compteur, il va descendre en dessous. Vous voyez, 14,7, machin, il descend. Par contre, oh putain, il y a une voiture derrière moi. Par contre, je ne peux pas aller plus haut de 15 km/h. Je vais laisser passer la voiture. Au niveau de l'assistance électrique, le vélo se lance, pas instantanément, mais quasiment. Voilà, quasiment, franchement, voilà, je crois pas. Celui-là, il n'a pas de capteur de couple, il n'a pas de capteur de vitesse ou quoi. Et pourtant, je ne fais pas 36 tours de pédale pour qu'il se lance. Vous voyez, je fais un quart de tour, il se lance déjà. Alors, on n'est pas non plus sur un capteur de couple où il va se lancer instantanément. Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de délai sur l'assistance. Donc ça, ça fait plaisir pour faire des démarrages en côte, des choses comme ça. Et là, regardez, je suis dans une petite montée, tranquille. Vitesse 1, les mecs. Et je ne me souviens pas avoir eu autant d'aisance à prendre des montées comme ça. Avec un moteur de 250 watts. Si vous voulez quelque chose de pas violent, vous restez en vitesse 1, vitesse 2, voilà. Même vitesse 3 en vrai, c'est pas non plus... Quand même, regarde, je dis ça, quand même, voilà. Il avance les mecs, il est nerveux. Alors attention, c'est pas non plus un foudre de guerre avec deux moteurs de 2000 watts. Voilà, on n'est pas sur ces trucs-là. Donc là, vous le voyez, c'est la grande descente avant la grande montée. Je vais pas prendre d'élan. Je vais me mettre en vitesse 3 pour la côte, voilà. Et celle-ci, les mecs, elle est balèze quand même. Hein. Elle est balèze. Je pense que vous le voyez à la caméra. Je prends pas d'élan. Regardez, je m'arrête presque. Je vais voir. Peut-être que ça va me ramener en arrière. Hein, j'en sais rien. Voilà. Hop. Et là, j'y vais. Vitesse 3. Regardez l'aisance qu'il a à monter, les mecs. L'aisance que le vélo a à monter. Je suis à 22 km/h dans la côte, 22, 23 en faisant semblant de pédaler les mecs, en faisant semblant de pédaler. Donc il y a deux solutions, là ça se confirme, il y a deux solutions les mecs. Soit on nous aurait menti et le moteur est plus puissant que ce qui est écrit sur l'affiche, soit le moteur est capable de monter en pic à 500 watts, pourquoi pas à 750 watts.
ça se peut, hein. Vous savez que vous avez pas mal de moteurs comme ça qui font 350 watts, 500 watts et les trucs qui font des pics des fois à 1000 watts. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vous donner un coup de boost pendant les côtes. Et je vous dis, le vélo, regardez ça franchement, vous avez vu? J'ai pas peiné à monter. Du coup, tu te retrouves avec un vélo qui a quand même une bonne patate, tu vois, et ça, c'est sympa. Tu vas pas galérer à prendre des côtes ou quoi. En vrai, même avec un 250 watts, ça galère pas les mecs, hein. C'est juste que bon, tu montes un petit peu plus doucement, c'est tout, mais tu montes quand même. Mais là, vraiment, vous avez vu, j'ai monté la côte à 22 km/h. 22, presque 23. Donc, soit le moteur monte en pic, soit il est plus puissant. Bon, en tout cas, les mecs, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis bien content d'avoir testé ce petit Itway BK6. Franchement, il est nickel. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Salut !